Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et t'as vu, rayon de soleil, il y a carrément un gros contre-jour sur la vidéo. Bon, on va pas s'en plaindre, hein. Tu sais, je te fais toujours la petite chronique météo. Bon, alors on parle de création, tu le sais. Moi, j'écris de la musique, j'écris des chansons. Je me suis remis à ça il y a quelques mois et je te partage ça au fur et à mesure de ces vidéos. Et aujourd'hui, je voudrais te parler. J'ai du mal à parler ce matin. Aujourd'hui, je voudrais te parler de ce qui, les galères qui t'arrivent dans la vie. Parce que tout le monde a des galères. Voilà. Alors, les galères, c'est quoi? Ben, ça peut être. Je sais pas, tu peux paumer ton boulot par exemple, ou je sais pas, ça peut être une, je sais pas, une séparation, ça peut être, je sais pas moi, t'as un accident de voiture, alors, qu'on soit clair, je te souhaite pas ces galères, d'accord? Je te souhaite pas aucune de ces galères, mais statistiquement, ça arrive quoi, voilà. On sait bien par exemple qu'on va pas garder un travail de l'âge de 20 ans à l'âge de 60 ans, ça c'est fini maintenant. C'était avant. On sait aussi dans les statistiques que les couples restent pas forcément ensemble toute leur vie. Donc, bref, ça peut t'arriver tout ça. Et moi, ce que je t'invite à faire. Attends, mais il y a même trop de soleil là. Attends, on va faire comme si. Regarde, je vais faire un effet Instagram manuel. Changement de lunettes. Bon, j'en étais où? Oui, alors, moi, ce que je t'invite à faire, c'est que profites-en, comme ça t'arrive. Pour créer, et tu vas voir, ça a plein d'effets bénéfiques. Déjà, il y a plein d'interviews hein, d'auteurs, de compositeurs, enfin, genre, qui écrivent des chansons, qui disent tous que c'est dans les plus grosses galères qu'ils ont eu les meilleures idées. Parce que, je sais pas, il y a peut-être un état du cerveau où tu as une volonté de te sortir de ta galère, ou de faire savoir, de faire connaître ta douleur, ou toi, quelque chose à exprimer en fait. Et bien souvent, les auteurs se sont dans les plus grosses galères. Toi, y a des auteurs, ils ont écrit des livres, par exemple, en prison. Ils se sont retrouvés, alors je te parle ça, il y a 200 ans, 300 ans, tu sais, ils étaient au fond d'un cachot, ils croupissaient, puis ils ont écrit. Ils ont écrit. Il y a des gens, voilà, qui écrivent des. Souvent, après une rupture amoureuse, ils vont écrire le meilleur album de leur vie, toi. L'artiste, il va écrire le meilleur album de sa vie. Donc il y a toujours quelque chose à faire d'un point négatif, d'une galère. Et ce qui va être intéressant là-dedans, c'est que d'une part, tu vas aussi pouvoir, si tu écris, tu vas pouvoir aussi mettre des mots sur ta galère, tu vois. Parce que si tu écris, je sais pas, une chanson qui est inspirée de ta galère, tu vas devoir y réfléchir, tu dois devoir te poser, tu vas devoir mettre des mots là-dessus et tu vas surtout devoir trouver des adjectifs intéressants parce que tu vas pas juste dire c'est la galère, tu vas dire je me sens un tel. Ou bien si tu transposes sur une personne, tu diras il se sent comme ça, il a telle impression, il a vécu cela. Et ça va t'obliger d'être précis dans les mots. Et plus on est précis dans les mots et dans les adjectifs, mieux c'est si tu veux. Et tu vas voir que. Tu vas probablement écrire de quelque chose, tu vas probablement écrire quelque chose de bien. Parce que le fait justement de devoir rechercher cette précision des adjectifs, et ben ça va forcément du coup faire quelque chose de riche au niveau de ton texte. Si tu aimes écrire, si c'est ta passion, eh ben ça va te faire du bien de faire ça. Tu vas te venger sur ta passion. et puis aussi, eh ben ça va te permettre toi de mettre des mots voilà sur ta galère, sur ta souffrance. Et si tu as une douleur en ce moment, eh ben tu mets des mots dessus et ça fait du bien. Tu sais, il y a aussi des gens qui écrivent des journaux là. Pas forcément c'est un journal intime, mais c'est une sorte de journal de bord. Tous les jours, les gens y mettent, j'ai eu ceci, j'ai eu ça. Il y a des gens, par exemple, qui travaillent sur la dépression, qui font ça. Ils écrivent tous les jours et puis ça leur permet de mettre des mots, tu vois, sur leur mal-être.
c'est important. C'est important pour toi parce que ça va te faire du bien, ça va pas forcément te sortir de ta galère, d'accord, j'en suis bien conscient. C'est pas un tour de magie, mais puisqu'il de toute façon faudra que tu traverses cette galère, eh bien ça t'accompagnera à mettre des mots, à sortir des adjectifs précis, à peut-être créer quelque chose de beau aussi de ça. À quelqu'un qui relirait ton texte plus tard, qui traverserait cette galère plus tard et qui relirait ton texte, qui dirait oh, il y a cette personne, elle a exactement compris ce qu'on ressent quand on est dans cette galère. Quelqu'un qui entendrait ta chanson, si tu enregistres des chansons et qui est en pleine, je sais pas quoi, en plein marasme, il écoute ses chansons et il dit ah, mais c'est exactement ce que je traverse à ce moment-là. Bah, quelque part, ça me réconforte de savoir que je suis pas tout seul dans cette galère. Donc, c'est ça aussi, toi, que tu vas pouvoir créer en utilisant ta galère pour écrire un texte, un poème, pour faire une chanson, des notes de musique. Et c'est pareil, t'as pas besoin de connaître beaucoup de notes de musique, enfin, t'as pas besoin de savoir jouer d'un instrument. D'ailleurs, faudra que je te fasse une vidéo là-dessus. Faudra que je te fasse une vidéo pour te montrer qu'avec sur une guitare, par exemple, avec deux cordes, avec deux doigts, tu peux écrire une chanson. Toi, t'as pas besoin d'être un grand musicien, t'as le temps d'apprendre, bien sûr, mais t'as pas besoin, franchement. Si t'as, regarde, avec cinq doigts, avec deux doigts, tu vas pouvoir faire quelque chose sur une guitare. Je vais te montrer ça, d'accord? Je te montrerai ça dans les prochaines vidéos. Comme tu sais, tous les dimanches, on a une vidéo sur les cours de chant, comment apprendre à bien chanter, c'est mon boulot, coach vocal. Donc, tous les dimanches, il y a une nouvelle vidéo qui sort, ne la rate pas. Il y a des cadeaux aussi dans la description. Fouille dans la description, tu vas voir, t'as des liens et tu pourras télécharger des vidéos bonus et tout ça. Voilà, moi je te souhaite une bonne journée, une bonne galère. Non, hein, on est d'accord, hein, je te souhaite pas la galère. Mais si tu es dedans, tu n'as pas le choix, à un moment, il va falloir relever la tête, taper au fond. Si tu arrives au fond, il va falloir repousser avec tes pieds pour sortir de cette galère. Et tu peux le faire, voilà, à travers la création. Ça peut t'aider à traverser tout ça. Moi, je te dis à très bientôt. Passe une bonne journée. Ciao. Thank you.